mais qu'après-révolution. Et on va y aller. Je vous souhaite à tous une agréable semaine. Faut garder le sourire tant qu'il y a la santé, tout va bien. Faut garder le sourire tant qu'il y a la famille, tout va bien. Alors, je reviens aujourd'hui pour un make-up particulier. Voilà, mais vraiment très particulier. Tout d'abord, eh ben, écoutez, je vais mettre du fond de teint. J'aimais. C'est Gémet, je crois. Attendez, il faut que je mette les lunettes. Je l'ai acheté. Maybelline, voilà. Je vais le mettre. Alors, c'est la couleur beige. Voilà, c'est la couleur comme ceci. Et du coup, je vais l'étaler. Voilà, j'ai un petit pinceau exprès pour ça. Et là, ça m'évite d'en mettre sur les mains. Voilà, sachant qu'après je vais quand même l'étaler. Hein. Voilà. Et voilà. Ça va vite, hein, vous avez vu. Hein. Allez, hop. J'avais dit que je mettrais un micro. J'ai dit que je mettrais un micro. Je ne vous montre pas le décolleté parce que si vous voyez le décolleté, vous allez halluciner. Regardez. Ah, mais j'ai tout fait tomber. J'ai tout fait tomber. Je me suis fait une installation, je vous dis que ça, pour mettre à une glace. Hein. Franchement, voilà. Donc, j'aurais pas dû le bouger. Maintenant, ce que je vais mettre du oula oulala. Alors, il faut savoir que ça, c'est un pinceau que j'avais eu de Miss Gazelle, que j'avais gagné à un concours il y a au moins 3 ans. Ou 2 ans, je ne sais plus. Voilà. Et je l'ai toujours. Et ça va me permettre de mettre, voilà, il est très bien. Hein. Ben, j'ai tout d'ailleurs, hein. Je l'ai toujours dit, hein. J'ai encore le porte-monnaie, j'ai tout gardé. Alors, ensuite, nous allons faire les yeux. Alors les yeux, on pourrait très bien prendre un pinceau pour mettre le primer de chez Urban Decay, mais on ne va pas, on ne va pas, on va juste faire comme ça. C'est un essai, hein. Je ne vous cache pas que c'est un essai. J'ai même pas les sourcils épilés. J'ai même pas. Enfin, de toute façon, j'en ai pas. Alors. Voilà. On va mettre le primer pour que la couleur tienne. Parce que croyez-moi, là, ça va dépoter. Quand je vous dis que ça va dépoter, alors il me faut des pinceaux. J'en ai un. J'en ai un. J'en ai deux, j'en ai trois, mais ils sont où? Et j'en ai quatre, voilà. Je prends cette palette, Friend, Make-up Révolution. Et on va y aller. Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts. Hein. Quand je vous dis que vous n'êtes pas prêts, c'est que vous n'êtes pas prêts. Je prends ce pinceau-là, de Make-up Révolution. Alors, je choisis. Hein. Alors, qu'est-ce que je choisis? On va voir. On y va. Allez, violet. Voilà. Ok, violet. On va faire vert. J'aime bien le vert. Bah heureusement que j'ai mis du primer, hein, parce que... Voilà, c'est plutôt du... Là, maintenant, je reprends le même et je vais prendre du rose. Voilà, je prends du rose. You, 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 you. Voilà. Je garde le même. Je garde le même et je vais prendre... j'ai bien envie de prendre celui-là. C'est pas trop ma couleur, mais je vais le prendre. Un peu vert d'eau. Voilà. Voilà. Et on va finir... on va finir par du orange, bien sûr. Alors, le orange qui pète. Hein? On va prendre du orange qui pète. Ok? Voilà. Et
Voilà, maintenant je vais prendre un pinceau flouteur et je vais estomper. Voilà. Regardez, j'estompe un. Alors, moi, ce que je vais faire. Vous avez vu, ça prend pas beaucoup de temps. Hein. Par contre, je suis déçue du verre. Honnêtement, je suis déçue du verre. On ne le voit pas du tout. Hein. Alors, on va prendre du verre foncé. On va prendre celui-là. Comment il s'appelle? Télé. Je vous dis le nom, attendez. Parce qu'ils ont tous un nom. Hein. Alors, je vous dis le nom. Il s'appelle T-Live. Alors là, attention, hein, c'est du lourd. Hein. Alors, moi, comme j'aime le vert, je vais le mettre là. Mais vous voyez, il n'est pas plus vert qu'autre chose. Hein. Franchement, attendez. Vous savez quoi? Je vais remettre du Urban Decay ici et là. Voilà. Je vais remettre du Urban Decay et je vais reprendre. Alors, bien sûr. Comme ça marche pas, je vais le prendre avec le doigt. Ok? Voilà, je prends avec le doigt parce que j'ai pas le choix. Voilà, je suis à peu près à ce que j'ai envie. Voilà. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien, mais je suis un peu déçue des couleurs. Je préférais celle de NYX qui était 1000 fois mieux. Mais bon, on ne peut pas tout demander. Hein. Je vais essayer de prendre un rose un peu plus. Celui-là. Celui-là qui est New York. New York, New York. La 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 la. Eh bien, je vais le mettre là. Voilà. Moi, j'aime bien faire des trucs comme ça. Je fais ça tous les ans. Voilà. Et comme j'aime bien, je vais prendre du rose comme ça, le rose là, que vous avez vu là, celui-là, j'aime beaucoup. Et je vais faire ceci. Voilà. Alors, je n'ai plus de violet, malheureusement, mais vous savez que moi, j'ai une passion pour le vert. Donc, on va prendre du crayon vert, comme ceci. Et on va le passer. Voilà. Comme ceci. Et en dessous. Et bien sûr, comme il y a du vert. Je suis déçue, je pensais vraiment que ça pétait beaucoup plus. Hein. Je ne vous cache pas que là, je suis un peu déçue. Mais bon, on va prendre le. Je vais tout de suite faire mon. Voilà. Voilà, là, j'en ai mis au-dessus. Parce que comme j'ai pas de sourcils, là, je les vois pas. Du coup, j'en ai mis au-dessus des sourcils. Voilà. Ensuite, on prend le doigt, parce que franchement, c'est mieux de prendre avec le doigt. Mais non, je peux pas prendre avec le doigt. Et j'ai pris tous mes pinceaux, sauf le pinceau qu'il fallait. C'est pas grave, je vais prendre celui-là. Et je vais mettre du violet. Avec un peu de rose. Voilà. Violet et rose. OK? Et je vais le mettre ici. Voilà. Eh ben moi, j'adore mon make-up. Je ne sais pas si vous l'aimez, mais vous voyez, je ne l'ai pas mis, j'ai pas fait longtemps. Il faudrait que je me fasse des sourcils peut-être un jour. Peut-être. Parce que ça, c'est un gros problème. Voilà. Eh ben, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'adore. On va mettre le mascara. Je sors même pas en plus. Voilà. Hop, c'est du Manacadar. Parce que celui de L'Oréal, ils m'ont jamais répondu.
Eh ben moi j'adore, hein. Je vous cache pas. Hein. Franchement, j'aurais eu un violet, j'aurais mis un violet là, ici, moitié vert, moitié violet, mais j'en ai pas. Alors, un conseil, quand le mascara est sec, vous faites ça, vous laissez deux, vous comptez jusqu'à 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, enfin moi j'ai pas le temps. Et vous allez voir, vous voyez, déjà, il est mille fois mieux. Parce qu'il a chauffé sous votre bras. Voilà, ça change tout de suite. J'aime beaucoup. Je m'en fous, j'ai 62 ans, j'aime être maquillée comme ça. Je m'en fous complètement de ce qu'on dit. Je m'en fous. J'aime beaucoup. J'adore. Maintenant, on va faire la bouche. La bouche. Alors, j'ai celui-là ou celui-là. Je prends celui-là. Alors, on a le crayon, bien sûr. On va prendre le crayon. Ouais, moi, j'ai les lèvres ultra fines, hein, je ne vous le dis pas. Hein. Donc, je vais mettre celui-ci. Si vous voulez les références, vous me les direz, je vous les donnerai. Voilà, et moi je vais prendre du chromatique pour faire un peu plus joli. Voilà. Et voilà. Moi j'adore. Je vais mettre de l'highlighter. Alors, je vais prendre dans les rosés. J'ai celui-là. Voilà, je vais mettre. Alors, il faut savoir que moi, je fais toujours une chose, c'est ça. Voilà, tout le temps. Voilà, j'aime beaucoup, sincèrement. Je sais pas si vous voyez, mais j'aime beaucoup mon make-up. Tous les ans, je fais un make-up comme ça, un peu destroy, un peu. Je vais remettre un peu de rose. Alors, vous savez, des fois, il suffit d'un truc et hop, et on fout tout en l'air. Voilà. C'est dommage que je ne sais pas faire le eyeliner correctement. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore. J'adore. Je suis déçue des couleurs parce que franchement, je pensais que c'était des couleurs qui pétaient. Et elles pètent pas du tout. Franchement, pigmentation, pas terrible. Mais bon. On fait avec, hein. Voilà, je suis un peu déçue. Honnêtement, je suis déçue de cette palette parce que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à des couleurs beaucoup plus criardes. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà. Bah, du coup, on peut se maquiller avec, hein, sans problème. Voilà, parce que c'est pas des couleurs criardes. Je pensais que c'est vraiment des couleurs qui pètent, mais en fait, elles pètent pas du tout. Hein. Regardez, le jaune, le vert. Hein. Le vert, franchement, c'est pas flamboyant. Hein. Le orange, c'est pas flamboyant, quoi. Mais je vais m'en racheter une qui pète. Moi, j'aime bien tous les ans m'acheter un make-up qui pète, qui dépote. Voilà. Bien sûr, comme d'habitude. Attendez, on va faire un truc. Voilà. Chromatique. J'ai pas mis de rouge. Je vais mettre ces Make-up Révolution. Je vais mettre un peu. Voilà. Un peu. Hein. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je suis maquillée. Voilà. Je suis maquillée. Et voilà. J'aime bien, mais je suis un peu déçue parce que je m'attendais à ce que ça pète beaucoup plus. Quand on voit de près, ça va. Mais sinon, enfin, je m'attendais à quelque chose de plus pétardant. Voilà, ben, le make-up du jour est fait.
J'ai rien oublié. Non, je crois pas, hein. Je n'ai rien oublié du tout. Voilà, je suis contente de moi. Ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée. Je sors pas encore. J'attends des livraisons Amazon. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez le faire, c'est ultra, ultra facile. Il n'y a pas plus facile. Vous avez vu comment j'ai fait, franchement. Mais moi, de toute façon, je suis une MacGyver de tout. Hein. Je trouve toujours des solutions pour aller rapide. Moi, il faut que ce soit rapide. Mais vous savez quoi? Je vais mettre ça. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Je vais mettre celui-là. Il pétarade, celui-là. Bon, alors, c'est pas mal quand même, hein? Hein? J'ai rajouté un petit peu de jaune. En fait, je l'ai mouillé parce que sinon ça se voit pas et la pigmentation est nulle. Vous en pensez quoi? Moi j'adore. Voilà, bah écoutez, si ma vidéo vous a plu, un pouce. Si elle vous plaît pas, on s'en fout. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis I love you. Je l'ai dit, je te quiero. Bye bye. Abonne-toi et active la cloche.